dolmens et menhirs du temps des Celtes, calvaires et sanctuaires chrétiens. Les apôtres ont succédé aux druides, mais la Bretagne a toujours été une province mystique. Armor, pays de la mer. Mère nourricière à qui les hommes ont de toute éternité arraché une partie de leur subsistance. Mère grandiose, parfois cruelle, mais toujours attirante. Auprès de qui les citadins surmenés viennent retrouver force et santé. Arcoat, pays de la terre. Lande mystérieuse, fief des corridans et des farfadets, mais aussi alluvion fertile produisant en quantité toutes les primaires. Domaine morcelé, mais aussi vastes exploitations agricoles, fournissant d'abondantes récoltes de céréales et notamment de blé. Dans notre monde moderne, l'expansion économique est liée à l'importance et à la qualité des moyens de transport. D'où l'intérêt pour la Bretagne de voir l'électrification déjà réalisée de Paris au Mans atteindre le chef-lieu d'Ille-et-Vilaine. Cette opération s'accompagnant d'ailleurs de mesures complémentaires de modernisation qui permettent d'améliorer le rendement des installations ferroviaires. Mais, sous le ciel parisien, il existe une enclave bretonne où l'air est imprégné d'iode et où la pluie a le goût des embruns. Montparnasse, simple butte de Gravois à qui les étudiants ont donné le nom de la montagne des Muses. Montparnasse, jadis carrefour banal à la rencontre de boulevards sans charme, devenu un foyer artistique dont le nom résonne comme une fanfare. Montparnasse, ancien débarcadère breton qui a poussé dans un quartier désert et campagnard. Montparnasse, qui a mis Versailles et Rambouillet aux portes de Paris, Chartres et Dreux, à deux pas de la capitale. Montparnasse, la plus vieille gare parisienne, va prendre, après 113 années de service, une retraite bien méritée. Le 26 septembre 1965, le dernier train de Montparnasse s'en est allé vers Bellevue et Versailles, laissant les halls déserts et les kiosques abandonnés. Bientôt les murs vont tomber. Déjà l'ancienne gare Montparnasse n'est plus. Il y avait tant de souvenirs attachés à cet édifice centenaire qu'il était devenu cher au cœur de plus d'un Parisien. C'est là, dans le PC de Leclerc, que le 25 août 1944, von Scholtitz a signé sa reddition. Pour reconstituer l'histoire du quartier, il n'est pas nécessaire de consulter les chroniques. Si la rotonde a disparu, ou à peu près, les deux autres piliers du Montparnasse de la grande époque, le dôme et la coupole, existent toujours. Les vieux montparnassiens ont conservé le souvenir de Picasso et Modigliani et de tous les personnages pittoresques ou célèbres qui ont laissé leur empreinte en ces lieux. Au temps des années folles de l'entre-deux-guerres, c'était le centre de l'activité intellectuelle et créatrice, fréquenté par tous ceux qui avaient un nom ou aspiraient à s'en faire un dans le domaine de la littérature ou des beaux-arts. Quelques-uns des témoins des belles heures de Montparnasse sont encore là, notamment Fujita, le Don Juan aux yeux bridés, et Chagall, décorateur du plafond de l'opéra.
D'autres, par contre, nous ont quittés depuis longtemps, tel Georges Méliès, l'un des pionniers du cinéma, qui termina son existence en vendant des jouets dans la galerie marchande. Pendant la Grande Guerre, la gare Montparnasse fut un centre d'accueil et de transit pour les coloniaux. Au cours de la période antérieure, elle connut aussi quelques péripéties. Le 22 octobre 1895, l'express de Granville, lancé à 60 km à l'heure, ne put s'arrêter en gare, défonça le butoir et vint tomber sur la place de Rennes. Construite par l'architecte Lenoir, la gare qui va disparaître avait remplacé en 1852 l'embarcadère de Versailles, installé quelques années plus tôt à l'endroit même où s'élèvera bientôt la façade principale de la nouvelle gare. Depuis le 26 septembre 1965, tous les services voyageurs et bagages sont concentrés provisoirement dans la partie ouest du futur bâtiment. Armor, c'est aussi le nom d'un train assurant une liaison rapide entre la capitale et Brest. Les locomotives de l'artère Paris-Rennes utilisent aussi bien le courant 1500 volts continu que le 25 000 volts alternatif. Pouvant atteindre 160 km à l'heure, les puissantes locomotives bicourants du type BB 25200 sont destinées plus particulièrement à la remorque des trains rapides de fort tonnage. L'Armor, composé de voitures en acier inoxydable de première et deuxième classe, permet de gagner une heure sur le parcours Paris-Rennes. Sur la même relation circule également le Goéland, qui présente des caractéristiques identiques et offre les mêmes conditions de confort et de rapidité. L'artère maîtresse de la Bretagne bénéficie donc en matière de transport de voyageurs d'une desserte aussi prestigieuse que celle assurée par le Sud-Express, le Mistral ou le Brabant. Bien que la ligne Paris-Le Mans soit électrifiée en courant continu 1500 volts, il a paru préférable de choisir pour électrifier la section Le Mans-Rennes la technique moderne et plus économique du courant monophasé 25 000 volts à fréquence industrielle. Pour éviter la juxtaposition en gare du Mans d'installations utilisant deux courants différents, la transition a été reportée quelques kilomètres plus loin où une section neutre a été aménagée. Le passage d'un courant à l'autre ne nécessite pas l'arrêt des trains, mais un simple changement de pantographe, la section neutre étant franchie sur la lancée du train. Le relèvement de la vitesse, porté de 120 à 140 km à l'heure, a permis d'accélérer la plupart des trains de voyageurs qui, entre Paris et Rennes, réalisent désormais des moyennes commerciales comparables à celles des trains reliant la capitale à Lille, Nancy ou Lyon. Il est maintenant possible d'accomplir dans la même journée un aller et retour entre la capitale et les extrémités de la Bretagne, ou inversement. En effet, l'Armor relie Paris à Brest en matinée et effectue le parcours inverse en fin de soirée, tandis que le Goéland circule le matin de Brest à Paris et le soir dans l'autre sens. À Rennes, plaque tournante de la Bretagne, ces trains sont en correspondance avec l'autorail de Quimper.
la réorganisation du service des trains de voyageurs a également été rendue possible par l'amélioration des moyens de traction sur les antennes non électrifiées, et notamment de Rennes à Brest, où de puissants diesels assurent le relais des locomotives électriques. Grâce à l'électrification de l'axe Paris-Rennes et aux diverses modernisations qui l'ont accompagné, l'Armor et le Goéland relient Paris à Rennes en un peu plus de 3 heures à la vitesse commerciale de 122 km à l'heure. Ils effectuent le trajet Paris-Brest en un peu moins de 6 heures, soit à 104 km à l'heure de moyenne. L'autorail qui assure le prolongement de ce service de Rennes à Quimper met également le chef-lieu du Finistère à 6 heures de la capitale. Ainsi modernisés et disposant d'un potentiel accru, les axes ferroviaires vitaux de la Bretagne sont en mesure de participer pleinement à son développement économique. Rennes, ancienne capitale du duché, promue au rang de grand centre industriel moderne et de métropole régionale de l'Ouest. Brest, important port militaire entièrement rénové, témoigne de cet essor qui a donné naissance à des réalisations aussi spectaculaires que la station de Pleumeur-Baudoux, relais de télécommunication intercontinentale ou l'usine marémotrice de la Rance. Le chemin de fer se devait de participer activement à cette expansion d'une province dont l'agriculture et le tourisme ne sont pas les seuls atouts.